Yo tout le monde, c'est Raziel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 18 de mon walkthrough sur Bioshock 2. Et oui, ça passe vite les épisodes, on est déjà à l'épisode 18, donc là je pense qu'on est à 70% de l'histoire. Il nous reste encore à faire deux petites sœurs dans ce niveau. La dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est que on avait déjà fini la première petite sœur en premier lieu, et on l'avait déjà ramenée, on l'avait déjà sauvée. Et on avait fait aussi, je pense, oui, c'est même pas je pense, c'est sûr. Ce qu'on avait fait, c'est l'arène un peu de Gilbert Alexandre, qui est devenu totalement malade dans sa tête, et qui nous avait fait une genre d'arène où on devait combattre des chrosomes, et puis un sujet alpha. Sujet alpha qui est autre qu'un Big Daddy modifié. On en apprendra plus au sujet des... On en apprendra plus au sujet... des sujets alpha. C'est drôle comme phrase, c'est pour ça que j'ai bugué. Par la suite de l'histoire, je suppose. Parce que là, pour le moment, il n'y a aucune information sur eux. Sauf si peut-être, en aide, protecteur et petite sœur, protecteur errant, sujet delta, récolter la dent, non. Petite sœur, sujet delta, c'est moi, protecteur errant. Ah, protecteur errant, peut-être. Protecteur sont les gars. Alors, côté des arbres, loyauté, voilà, ouais, ok. C'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Et protecteur errant, c'est quoi? Ouais, en clair, c'est pas intéressant. Par contre, moi, ce que je voulais savoir... ennemi... non, dégage. Ennemi. Chrosomoudini, je m'en fous. Ah, voilà, série Alpha. La mise au point d'un prototype de protecteur fiable a pris du temps, et la série Alpha est la triste preuve que ces nombreuses années de tentatives avortées, anciens cobayes de diverses expérimentations plasmidiques, ces pauvres volontaires ont été lobotomisés avant d'être enfermés dans d'imposantes armures de métal. Tous les essais pour les lier aux petites sœurs ont échoué, faisant d'eux de véritables épaves humaines, d'une sauvagerie bestiale, sachant qu'ils sont débiles mentales et nuls à chier. Férocement territoriaux, les protecteurs alpha arpentent les locaux de Fontaine Futuristique et du pénitencier de Perséphone, attaquant quiconque arrive de l'extérieur, en d'autres termes, vous. Ils sont sujets à des déchargements plasmidiques incontrôlés et affichent une préférence marquée pour l'usage des munitions lourdes face à leurs ennemis. Mais, quand on place à leurre, tu leur tires dans leur dos, ils continuent à taper le leurre, comme des débiles mentaux, et bref, ils sont nuls. Ils ont tous leurs faiblesses, mais je trouve que, par rapport à mon expérience de jeu de Bioshock 2, je trouve que par rapport... Il n'y a pas le code par terre? Non. Je trouve que par rapport... ouais, voilà, ils sont là. Que par rapport au... j'allais dire au 1, mais en fait, non. 5254. Ok, le code, je viens de le trouver. J'avais même pas vu. Donc, on va aller le faire. Il me semblait bien qu'il était tout près, le code. Voilà. 5, 2, 5, 4. Je trouve beaucoup plus dur un Big Daddy de base qui n'a pas été lobotomisé et qui fait des machines bestiales et de la mort qui tue. Wesh. Parce que j'ai envie de rajouter le wesh. Non, je trouve personnellement que le sujet Delta est vraiment beaucoup, mais déjà moins tanky que l'autre. Et on le one-shot quasiment, quoi. Notre espoir est de lier une petite sœur à un seul protecteur. Il fallait donc pouvoir la remplacer en cas d'erreur. Lors de l'élaboration de ce lien de parenté, nous ne pouvions pas laisser les parents de la fillette poser trop de questions. Alors, les orphelinats de Fontaine nous en ont fourni une. L'opération fut un succès sans précédent. Si seulement j'avais su que cet enfant était... Eleanor, je regrette tellement... Je sais, Gilbert Alexandre, je sais.
Pirate Prudent, prenez votre temps. Avec Pirate Prudent 2, toutes les machines sont un peu plus ralenties, ce qui vous laisse le temps nécessaire pour en prendre le contrôle. L'aiguille de piratage avance plus lentement. Et ça, ça va être génial. Sauf que je ne sais pas quoi bouger pour mettre à la place. Parce que papa exigeant ça et ça et ça et ça. Enfin bref, quasiment tout. Même course à l'armement. Tout est utile pour le moment. Donc en clair, je compte le mettre par la suite. Parce que ça peut être franchement intéressant. Comme quasiment un peu tous les fortifiants du 2. Parce que les fortifiants du 2 sont des perles. En termes de pouvoir plasmidique, etc. Les variantes sont énormes. On va faire une petite sauvegarde. Comme j'ai récupéré un nouveau journal audio et un nouveau fortifiant. Et on va aller visiter un peu le bâtiment. On va pas monter, même s'il nous demande de monter. On va d'abord aller en bas, toujours aller dans la direction opposée au GPS. Voilà. Parce que nous, on est comme ça. Waouh. Eh ben toi, mon gars, t'étais une grosse blague. Par contre, ce que j'ai envie de racheter, sans vous mentir, c'est des Soreng Dev. Pourquoi? Parce que je spam les pouvoirs et que de toute façon je claque jamais mon fric parce que je récupère la blinde de trucs. Donc on va prendre full truc. On va faire... Ah non, d'abord on va péter elle. Voilà. Je vais mettre un petit coup corps à corps, même si ça a peut-être pas touché, je sais pas. Si ça a touché. J'ai pas très bien suivi. Donc par là, il n'y a rien. Du coup, on doit monter. Il y a encore deux petites sœurs à ramasser. Ah, le mec, il est descendu. Chaud patate. Mes tourelles, elles sont totalement fucked up. Elles veulent pas attaquer l'ennemi. Voilà, elles vont en faire repérer. Pas grave, je leur en veux pas. Ouais, et le mec, il se fait défoncer par ma tourelle en bas. Puff. Est-ce que j'ai fait cet endroit? Ouais, c'est le bureau de Franck Fontaine, je l'ai fait. Mais il y avait des rideaux. Est-ce que les rideaux sont libérés? Libérés, délivrés? Non, non, non. Non, non, non. Ça, c'était juste des lumières. Donc, la famille Fontaine, il avait un fils qui je ne sais même pas c'est qui, il en parle pas, et il avait une femme. D'accord. Que j'avais totalement zappé qu'il avait une famille. Voilà, 22$, c'est pas mal, que j'avais zappé. Voilà. Voilà. Là, il y a encore des rivets. Merci. Donc là, c'est l'objectif. Donc du coup, si je comprends bien, on va regarder la map en deux secondes. Donc le GPS me dit d'aller là. De toute façon, je quitterai pas l'endroit tant que j'aurai pas fini. Sauf si j'y suis forcé, mais j'espère pas. Ça pue. Ouais. Sympa ces chromosomes. Petite trousse de soins. On va s'injecter une petite dose. Un chromosome Houdini qui a servi strictement à rien.
un chrosome armé qui a servi aussi à rien. Là, l'objectif est par là. Sauf que là, ce que j'ai vu, une porte. Réclame pour le plasmide téléportation. Sauf que ce plasmide est instable et qui va m'emmener dans une dimension inconnue de l'homme. Ouais. Inconnue de l'homme. Fléchette d'autopiratage. Voilà. 4 mini-tourelles. Donc il en reste 2 là-dedans. Donc il faudra spammer 2 mini-tourelles. C'est assez pratique de savoir un petit peu. Donc on va utiliser, toucher. On va le retrouver dans une autre pièce. Je ne sais plus laquelle. Donc le plasmide de téléportation s'est téléporté là-bas. Dans le commerce de plasmides, a tôt ou tard besoin de cobayes. Des cobayes humains. C'est lamentable, c'est vrai, mais personne à Rapture ne souhaite connaître le prix de ces merveilleux plasmides. À l'époque, malgré une économie à l'agonie, les volontaires étaient rarissimes. Et puis, quelqu'un du nom de Sinclair nous a contactés, se vantant de pouvoir nous fournir autant de cobayes que nous le souhaitions. C'était une sorte... Cette petite infraction va vous coûter cher, mon garçon! Misérable, allez vous faire soigner! Ne joue pas avec moi! On ne reverra pas de si tôt! J'irai prendre les corps par la suite. On fouillera la zone par la suite parce qu'en fait les décharges électriques sont produites par justement le générateur que je dois péter. Voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est un piratage à distance. Voilà. Ça c'est bon. Ça arrêtera de produire de l'électricité. Pour justement activer ceci et le détruire. Chose que je ne ferai pas dans l'immédiat. Pour fouiller un peu la zone. Ada et Mélanie. Non, non, non. Non, non, non. Voilà, Ada a besoin de soins. Donc on va prendre une trousse. Une seringue, comme ça on a à fond. Voilà. Fusée bureau. Archon explosif, ça c'est bon. Il y a de l'eau partout, on voit que dalle.
Ok. Ah, vous inquiétez pas les drones, vous êtes pas très très réactifs aujourd'hui. D'habitude ils sont là à agresser les mecs avant même qu'ils m'approchent. Et aujourd'hui je sais pas, ils sont fucked up. Puff 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 par là. Manger à harpon dans la face, ils ont pas kiffé je pense. Donc en clair, le plasmide là, il faut le suivre, sauf que je pense qu'il va aller dans le bureau de Fontaine, je me souviens plus vraiment, et ça va déverrouiller quelque chose. On va aller voir dans le bureau de Fontaine. En fait il va venir ici à la fin je pense. Si je me souviens bien, quelque part, enfin bref, je sais plus. Donc il faut le suivre et je sais plus où il va aller. Je ne sais pas où il va aller, on va le voir de toute façon. C'est prévu pour qu'il soit remarquable. Agnus Dei. C'est encore moi. J'espère qu'à présent, vous devez être décidé à m'aider à en finir avec la vie. En échange de ce service rendu, j'ai mobilisé pour vous une escorte qualifiée. Ah, bien, il y a un interrupteur par là qui devrait vous permettre d'accéder au véritable laboratoire. C'est là que je vous attends. Tout du moins, à ce qu'il reste de moi. Venez, par pitié. Ok. Améliorer arme. Donc ce qu'on va faire je pense c'est améliorer là c'est le Tesla pour le fusil à pompe, électrocution, détecteur. Ça peut être très très bien. Déjà on va terminer le fusil à pompe, j'hésite. Allez, je vais terminer le fusil à pompe parce qu'il n'en reste que un. Voilà, accéder au laboratoire. Voilà, je vais essayer de chercher un petit peu où il a pu réapparaître. Quand je dis bien réapparaître, je parle du... Je parle du plasmide de téléportation. Parce que je ne sais pas du tout où il est parti. Enfin, j'ai totalement zappé où il est parti parce que... Donc, voilà quoi. Puff puff puff.
Il est pas retourné dans son... Ah non, bah non. Ce serait trop logique. Ce serait trop logique. Donc là, il y a deux mini-tourelles. Et la logique, c'est pas bon dans le jeu. Trop de logique. Donc en clair, peut-être par là. Qu'il est pas dans le bureau de Fontaine. Bon bah de toute façon on va bien trouver. Hein. Non il n'est pas là. C'est pas encore fini. C'est fini, oui. Mon Dieu. Je regarde au cas où qu'il serait pas apparu ici comme un con ce bazar. Parce qu'en fait il mène à quelque chose et il mène directement au bureau de Fontaine par la suite. Je vais juste vérifier, savoir où il est apparu. On va réparer Amy et Mélanie. Non, il n'est pas apparu là non plus. Donc forcément, il est sûrement au bureau de Fontaine, là, tout de suite. Oh mais non. Ah, il est là. What? 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 Wait, what? Vendeur expert 2. Obtenez-en encore plus pour votre argent à Vendeur Expert 2. Profitez des tarifs défiant toute concurrence avec tous les distributeurs de Rapture. Sauf que le truc de distributeur, je l'ai modifié et il peut prendre la place de quasiment rien. Bricoleur est en interagissant avec eux. À la limite, ça, je peux l'enlever en attendant. À la limite, ce serait le seul à enlever. Donc voilà, je vais mettre ça.
Ah ouais, carrément, il nous ramène au début là. Le tyran n'a nulle famille, nul ami, nulle patrie. Ok. Il ne laisse derrière lui que des esclaves enchaînés. À ses pères, il demande : à quoi me servez-vous donc ? Qui l'aime finit assujetti. Car le tyran ne connaît que la révérence ou la peur. Il pique le pompe maintenant. Ça donne à réfléchir. Prends les deux cartouches là. Puff. Du coup, il nous demandait de continuer, sauf qu'on avait sauvé la petite sœur et je sais pas si... Ouais, voilà, on a récupéré de la dent. Et qu'est-ce que j'avais dit qu'on allait acheter? Genre le leurre 2, ça avait l'air sympa. Ça, je m'en balance les couilles. Court-circuit... Expert de lève. Non, par contre, est-ce que je peux prendre un emplacement encore de fortifiant? Genre le dernier qui manque. Non, je peux pas... C'est quoi, je vais prendre l'heure 2. Fini les combats déséquilibrés. Placez un leurre fonctionnel et regardez-les retourner les coups de vos ennemis. Ça peut être très bien parce que ça les bait et puis voilà quoi. Il y a même pas hésité quoi, c'est tout con. Le leurre, du coup, il a changé de place. Maintenant, il est là. Ok. Mais on va reprendre l'arc électrique parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Du coup, je pense que sur la map, on a été dans toutes les pièces de cette map. Voilà, c'est d'où on vient, je pense. Ouais, la station est là-bas au bout. On a dû passer dans la mer. On descend, on remonte. Fontaine futuristique, sécurité, El Muchacho, sur la façon de parler. Et on descend et on n'a pas fait toute cette grande zone. Ah oui, d'accord, ok. Elle est vaste cette zone, hein, franchement. Un journal audio. Je devais devenir la plus grande réussite du docteur Lamb, la synthèse vivante des génies de rapture dans le corps d'un homme unique au service de l'intérêt général. Mais aujourd'hui, je ne suis rien de plus pour elle qu'un échec scientifique, une expérience à l'abandon. Si mes performances intellectuelles et morales sont encore remarquables, elles déclinent rapidement. Elle m'a abandonné et je sombrerai bientôt dans la folie. J'ai totalement raté mon piratage. Ouais, c'est pas grave, on va attendre, hein, on va parler. Donc le jeu pour le moment, qu'est-ce qu'on sait? Lamb est la vraie génitrice, donc la vraie mère de Eleanor. Eleanor et moi, donc le sujet Delta, était une expérience qui visait à fusionner. L'âme et l'esprit, enfin façon de parler, entre parenthèses, de la petite sœur à un Big Daddy pour que celui-ci donne sa vie carrément et qu'il soit carrément lié à elle, donc à une seule petite sœur, et qu'il y a là un lien indestructible. Voilà ce qui s'est passé. Là, c'est ce qu'on sait, que Lamb a récupéré la petite, qu'elle nous a demandé de tirer une balle dans notre tête, ça c'était au début, et que maintenant on doit récupérer la petite pour pouvoir nous être libérés. Donc nous qui étions qui? Pierrot l'enclume, qui a découvert Rapture
avec son scaphandre tout mignon et cette musique envoûtante de tous les Bioshock que je kiffe très certainement. Je fouille pour voir s'il n'y a pas une limace. Une limace ou deux. Non, il n'y a pas de limace. Certain qu'il y a une limace. Ça se peut pas. Non. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est 10 Adam au pire. En tout cas, c'est vraiment beau. J'ai travaillé un temps avec les propriétaires de cet oxy-service. Si je me souviens bien, la station n'est qu'une façade qui dissimule un passage secret menant plus bas. Si Lamb planque Eleanor quelque part, c'est probablement là-bas. Souvent, les limaces, ils ne les cachent pas, ils les mettent à vue parce que... Alors là, il y en a... Ça ressemble à une limace, mais c'en est pas une. C'est juste le décor qui fait croire que... Activer SAS, inonder drainé. L'échelle de piratage, ça m'arrange parce que j'en avais plus. Voyez pas, Malice, mais ces lumières mettent mes yeux au supplice. Elles resteront éteintes jusqu'à ce que vous en ayez fini avec moi. Faites sauter les disjoncteurs, puis revenez ici rétablir le courant. Donc on va d'abord pirater ceci, mais on va le pirater à distance, en espérant que ça passe. On va faire une petite sauvegarde avant, vu que j'en ai qu'un. Il faut que j'arrive au 30 pour faire le 100% et j'y suis toujours pas. Et je sais pas combien il m'en reste pour réussir. Ils sont de plus en plus rapides. Voilà, on a réussi. Mugdar, pompier G, on s'en bat un petit peu les couilles. Fléchette de piratage, fléchette d'autopiratage. Voilà. Ce sera plus simple. Je crois que je vais prendre le pompe. Histoire un peu de varier les plaisirs. Résultat d'une équation. On écoute. Sophia pense que le parfait altruiste n'est rien de plus que le résultat d'une équation que nous n'avons qu'à résoudre. Elle disait que l'intelligence et la conscience sont deux choses différentes, car la conscience de soi devient une obsession de soi. Si nous pouvions supprimer ma conscience personnelle et me doter de la capacité cognitive de servir pour le bien de tous, nous pourrions créer ainsi le premier utopien. Et enfin, a dit Sophia, l'utopie pourrait naître. Ok. Activer.
Et on va appeler d'abord nos deux premiers robots. Donc on a Julian, intéressant, et Frédéric. Frédéric! Julian et Frédéric. Donc on a rétabli le premier, on va aller rétablir le deuxième. Du moins si je peux. D'abord, le rôle de Gilbert. Le docteur Alexandre est d'accord pour accepter les deux mesures du projet Nouvelle Utopie. Il deviendra une sorte de chimère montante, l'hôte de tous les esprits de rapture, et accédera à leur ADN grâce à la dent que nous avons collectée. Et, prolongeant le travail de Souchong, j'ai développé une autre série de contraintes comportementales. Le docteur Alexandre va donner sa vie pour promouvoir l'intérêt général, littéralement. Son amour et sa loyauté seront répartis équitablement dans toute la race humaine. Toute ma vie, c'est ce que j'ai cherché à accomplir. En tout cas, c'est une réelle grande malade, Lambda. Hein. Elle est pas bien, elle a des... Elle a quasiment une religion pour elle. Bon, on va pas bien, on va pas fouiller après les trucs audio maintenant parce que bon, on va jamais s'en sortir. Faire une petite save maintenant. C'est quoi la fleur là? Enfin bref, il faudra en récupérer après si je me souviens bien. Et de toute façon, dès que j'ai rétabli l'électricité, s'il y a des ennemis, je m'occupe des ennemis bien sûr. Et puis on va se laisser là. Interrupteur. Sophia et moi, nous savions que la création du premier véritable utopien avait un prix, mon ami. Nous avions besoin d'un hôte pour tout cet Adam, pour les plus grands esprits de rapture. Un cobaye volontaire, c'est-à-dire moi. Oui. Ce que vous avez vu dans cet aquarium, c'était moi. Je crains qu'Eleanor connaisse un destin qui, bien que moins marqué physiquement, soit tout aussi grotesque. Ce vivier de captage d'organismes aquatiques est le meilleur moyen d'en finir avec moi. Cependant, vous devez récupérer suffisamment de plantes gorgées d'Adam pour m'attirer. Les limaces s'en délectent et mon addiction est probablement le plus traître défaut de ma cuirasse. Je vous en ai laissé un spécimen ici, pour que vous puissiez facilement les identifier. Donc c'est ça. Je vous vois, Delta. C'est mon trône que vous voulez, n'est-ce pas? Eh bien, venez le chercher. Tempête élémentaire. Ne laissez pas la routine s'installer avec ce fortifiant. Vous pourrez recevoir vos ennemis avec vos attaques surprise ardente, glaciale ou électrique. Lorsque vous subissez une attaque de mêlée, vous émettez au hasard du feu, de la glace ou de l'électricité qui inflige des dégâts tout autour de vous. Ce qui est un peu un mix de tout, qui peut être vraiment, vraiment très bien fusionné aux autres quand on joue corps à corps. Sauf que je ne vais pas le mettre maintenant parce que je n'ai pas fini mes recherches. Il va crever. Là, dans la grosse souffrance. Bon, écoute, les clés que tu as réunies jusqu'à présent sont génétiquement encodées. Et pour trouver Eleanor, il va te falloir récupérer celle d'Alexandre le Grand. Avant toute chose, on va devoir lui mettre le grappin dessus. Trouve ses plantes et attire-le hors de sa planque. Ah, il y a une farandole des prix là-bas.
Est-ce que à la farandole des prix, non, il n'y en a pas. J'ai plus rien en piratage. Non, bah, tu sais quoi, je vais le laisser. Je vais le laisser cher. Du coup, je suis plein partout. Et de toute façon, l'épisode va s'arrêter ici. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Allez, salut !